Et coucou, c'est le successeur de Disney pour un fan art analyse, nouvelle analyse, réaction, ce que vous voulez, de Andrew Turasov, qu'on a déjà vu d'ailleurs, avec les princesses Pinel. Exactement, et cette fois-ci, il nous a fait en version de Tim Burton. On nous les a beaucoup envoyés aussi, oui. Vous inquiétez pas, c'est sûr qu'on allait les faire. Dumbo. Et ils sont vraiment classe. Bah pour le coup, Dumbo, c'est cool parce que il va bientôt arriver par Tim Burton. Donc, bah on a un avant-goût. J'espère qu'il ne sera pas comme ça. Non, mais... il fait peur un petit peu quand même. Il a l'air vide. Non, mais j'aime beaucoup, moi, parce que j'aime beaucoup Tim Burton. Donc, on retrouve bien l'univers, en fait, de tous les films condensés, mélangés, les dessins, tout ça. Donc, ça ne me choque pas, même si Dumbo fait très peur. Aussi, ils font très peur. Oh, nuit d'Arabie. T'as vu, alors, une petite moustache. Oui, on dirait Gomez. j'aime bien aussi. Ouais, le côté on s'aime, mais c'est bizarre, tu vois, c'est très... Gardons nos distances. Ouais, voilà, c'est... On s'aime, ça se voit pas. Oh, là, c'est typiquement... ça ferait une couverture de livre. La bête derrière. Excellent. Et là, elle se dit, oups, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Est-ce que je me retourne, les amis? On va pas, quoi ressemble la bête, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'elle ressemble. Ah bah ouais. Un truc de Tim. Qui c'est? On dirait Aurore et Philippe. Et il veut essayer de la réveiller. J'ai aucune. Bah oui, Sleeping Beauty. J'avais pas lu. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est pour. Bah ça fait un peu prend Frankenstein. Oh, Charles Shedai. Voilà. Oh, j'adore. C'est hyper simple. Oh, mais j'adore. C'est à la fois tellement travaillé. C'est efficace, quoi. J'adore. C'est trop bien. Je le veux. Ils sont trop chou. Oh, mon Bobby. Oh. Ok, beau. Et du coup, pourquoi une chauve-souris? Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Pour le côté Tim Burton. J'aime beaucoup. Il est trop beau. Sébastien est pour le chemin. C'est vrai. Alors Sébastien, on dirait Franck dans Nemo. Oui. Et Polochon. Polochon. Non, j'aime beaucoup. Non, c'est couleur et tout. C'est... Ouais. Oh, Bruno. T'as Jiminy. T'as vu son... Pas collier, mais tour de cou, ça fait Jack. Oui, bien vu. Et t'as vu le chapeau, c'est le même que Dumbo. Que Dumbo, tout à fait. Ah, j'adore. Oh, il y a deux Bambi derrière. J'adore. Oh, il est classe. J'adore. Ouais. Snow White. C'est trop beau. Les petites araignées, les gens faisaient exactement Tim Burton. Celui-là, il est pas mal. Ouais. C'est il est vraiment chouette. De la vie. À tous les squelettes. Et ben voilà, quel a été votre préféré? Lequel vous verrez bien en film de Tim Burton? Oui. Ou à part Dumbo. À part Dumbo qui va bientôt arriver, bien sûr. Moi, je dirais Bambi, les 101 Dalmatiens. Ou peut-être Blanche-Neige. La petite sirène. La petite sirène aussi. Hein. Pinocchio non, parce que je le trouve déjà assez sombre en fait. Ouais, mais j'aime beaucoup Bambi, les 101 Dalmatiens et la petite sirène. Et Blanche-Neige. Ouais. Ah, je les aime tous. Oui. Et voilà. Bah ouais. Donc dites-nous lequel vous avez préféré. Et on se retrouve bientôt. Salut. 1, 2, 3.